Bon, c'est pas grave, on va c'est reparti, je repars une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est le Grand Prix du Canada 2022 sur le circuit Gilles Villeneuve. Au revoir, monsieur Gilles Villeneuve, 1950-1982. Je sais que vous savez, monsieur Gilles Villeneuve, que les nouvelles voitures de Formule 1 roulent toujours sur le circuit Gilles Villeneuve à Montréal. Alors, repose en paix, monsieur Gilles Villeneuve. Merci pour la course de 1950 à 1982. Maintenant, on est en 2022. Et depuis 2019, qu'on a le Grand Prix à Montréal. Et en 2020, le Grand Prix à Montréal est annulé. En 2021, le Grand Prix est annulé. Et voilà qu'en 2022, le Grand Prix reprend. 38 tours à faire. Je suis assez étonné que. Parce que Leclerc n'est pas le seul à avoir de la difficulté à passer. Même le train de 4 voitures ici, Lens fait un travail assez incroyable à les garder derrière. On va commencer à voir un peu le phénomène d'Alpine. Elles peuvent se suivre de plus près, mais peuvent-elles vraiment mieux se dépasser? Et là, c'est peut-être ça qui nous reste à observer pour le reste de la saison. Possible, mais il y aura un manque d'aspiration comme tel. Peut-être créer une zone favorable en recréant un autre problème. Sous le pont du Casino ou le pont des Îles, ce qu'on appelait le pont de la Concorde à l'époque. Et toujours Leclerc, wow. Mais le plan B, je ne sais pas s'ils vont, ils vont y passer. On ne sait toujours pas ce que c'est, mais... Il faudrait peut-être tenter quelque chose pour Leclerc. Je comprends qu'on veut, veut protéger les acquis, mais il est quand même... Il est quand même en position de déficit par rapport à Verstappen. Charles Leclerc, encore la même... C'est quoi cette question-là? Pourquoi Leclerc... Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Hein? Pourquoi Leclerc a voulu tourner puis a accroché la ligne rouge et blanche? Qu'est-ce que ça vous dit? Moi, je sais pas. Cela dit, c'est vous qui y pensez. L'espérance de gain, vous avez Verstappen est premier, comme vous le voyez ici. De tous les pilotes de course, sauf le. On est 18 pilotes de course, sauf le. Le numéro 19 et le numéro 20 est arrêté. Là, ici, c'est Verstappen plus 5. Neutralisation virtuelle, qui ne correspond pas nécessairement de temps. Et même Hamilton, par rapport à Leclerc, même s'il s'arrête encore, je pense qu'il devrait faire, même par rapport à Leclerc, ce n'est même pas un espoir pour Charles Leclerc. Alors, on essaie encore peut-être. Curatin Avila. La piste est à 42 degrés. Regardez la distance qu'on met ici du côté d'Ocon, ce qui fait que Leclerc n'est pas capable de s'approcher ici assez pour tenter un dépassement à l'épingle. Mais regardez bien la sortie de l'épingle, comment Ocon se prend une distance en sortie. Regardez bien ici, il s'approche. Pour Leclerc, tu disais quoi pour la plage de maximale de Gondieu, une cinquantaine de tours? 48. Bon, Leclerc est là depuis le début. Et Ocon n'a que 20 tours, lui. Alors, Ocon est vraiment en très, très bonne position. Ocon doit garder sa concentration, continuer à bien se défendre devant Leclerc. Leclerc a peut-être plus des bonnes ressources, mais je répète, on ne sait pas ce que c'est le plan B. Alors,
Il y a plusieurs plans, hein, ça peut aller. Chez Ferrari, il y en a plusieurs, ça fait raison. Ça va remonter la voiture pour terminer le travail. À 5, ça approchait à 6 secondes et demie quand même. Petit gain. Oui, il a gagné à 7.8 il y a quelques tours, 7.8. Avantage de 11 tours pour Sainz avec son train de gomme dure. Et Verstappen, à moins qu'il était un peu. À moins qu'il avait un petit plof à la radio, commençait à se plaindre un petit peu là, du comportement de ses pneus. On en est au 42e tour. Max Verstappen a une avance de 5 secondes 9 sur Carlos Sainz. Lewis Hamilton est troisième avec près de 8 secondes d'avance sur George Russell. Il est 2h58, bientôt 15h. Leclerc s'arrête, le voici. Le voici, Leclerc qui s'arrête au puits. S'amène au puits. Et voilà. Derrière le couloir de Stroll. Comment est-ce qu'on a fait pour le ramener là? Je pense qu'on voulait le sortir à l'avant, mais le manque de 3 secondes, 2-3 secondes qu'on a perdu dans les puits a complètement modifié leur stratégie. Oh, que Leclerc vient tomber désavantagé. Bon, ça, c'est vraiment